J'étais un peu absent du terrain. Maintenant, j'ai repris. Ah, vous avez repris. J'ai repris. Donc, avant de reprendre un peu, y a la transition est toute faite par rapport à ce problème. C'est ça. Comment ça s'est passé? Ça a terni votre image? Ça vous a politiquement rabaissé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez impliqué? Non. Vous savez, le destin, il faut l'accepter. Ouais. C'est vrai. Aux yeux des hommes, ça ternit l'image, mais je vais me rattraper parce que je sais que tout le Sénégal sait que c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Ouais. Bon, la digue, c'est les êtres humains qui sont là, il arrive qu'ils commettent des erreurs dans leur enquête. Ouais. C'est une question d'erreur, je les comprends. Okay. Compte tenu de la manière dont les choses sont arrivées au niveau de la digue, effectivement. Malheureusement, la digue, cette erreur qui a été commise, n'a pas eu le professionnalisme de reconnaître l'erreur. C'est-à-dire en appelant et en écoutant la personne qu'on soupçonne. C'était qui cette personne? Par exemple, moi. C'était vous. La digue ne vous a jamais appelé. Ne m'a jamais entendu, ne m'a jamais appelé. Oh là là. Et envoie un dossier auprès du procureur. Ouais. Alors que le dossier dont il s'agit, je n'ai rien à voir avec, avec le dossier. Ouais. Et la digue elle-même sait que les gens qui se plaignent ne connaissent même pas qui est BI. Mmh. Et la personne contre qui on se plaigne. Ouais. Pendant 4 ans, n'a jamais n'a pas vu bien, aucune relation d'amitié, effectivement. Donc, mais comment votre nom s'est retrouvé dans cette histoire? Mon nom s'est retrouvé de passeport avec des députés. Il y a un quelqu'un, une personne qu'on appelle qui Condé. Mm-hmm. Lui, c'est quelqu'un qui joue l'intermédiaire pour aider des gens qui voyagent à avoir des visas, moyennant de l'argent. Ouais. Voilà. Pendant la période de Covid, elle prend l'argent de 3 ou 4 personnes qui veulent voyager. Ouais. Malheureusement, il n'obtient pas de visa. Ouais. Ces gens-là demandent à être remboursés. Ouais. Il a bouffé l'argent, il ne peut pas rembourser. Ouais. Et les clients se sont plaints à la digue pour entrer dans leur fonds. Dans leur fonds. Ouais. La digue a fait le travail qui doit être fait. Ouais. L'ont appelé. Bon, le travail de la digue, il faut aller au-delà du remboursement. Ouais. Donc, considérer ici, il y a certainement un potentiel trafic de migrants. Ouais. Il y a un potentiel donc usage de faux. Ouais. Donc, en écriture publique, puisque le gars, en procédant donc, au dépôt des dossiers, pour certains, il faisait confectionner des certificats de mariage. Mm-hmm. Pour d'autres, il confectionnait des cartes nationales d'identité, etc. Ouais. Je ne sais pas comment il parvenait à le faire. Ouais. Effectivement. Bien. Mais quand même, le gars a eu le soutien d'un collègue. Okay. En toute sincérité. Député, un collègue député. Ouais. Dont le nom aussi figurait sur les plaintes. Ouais. Effectivement. Bien. Donc, à l'enquête, il fallait procéder à une perquisition. Ouais. Pendant la perquisition, les documents qui sont trouvés chez le gars, il y a la photocopie de ma carte nationale d'identité, mon ancienne carte nationale d'identité. D'accord. Ouais. D'identification. Ouais. Et la photocopie de mon premier passeport diplomatique de 2012. Ouais. Effectivement. Ouais. Maintenant, pendant l'interrogatoire, au retour, on a posé la question à ce Condé qui l'aide dans ce travail. Ouais. Il dit des ministres et des députés. Ouais. Or, moi,
la copie qu'on a trouvée, ouais. je suis député. Ouais. On lui dit maintenant, est-ce que vous pouvez nous citer le nom de ces députés ouais. et de ces ministres? Il ouais. dit non, il ne cite personne. Okay. On dit mais pourtant, et on a vu la copie de, ouais. de Boubacar Biaye qui est un député. Quelle est votre relation? Ouais. Il dit non, Boubacar Biaye, on n'a aucune relation. Ok. Il l'a dit lui. Oui, il l'a dit. La digue, non, pour la digue, non, non, comme le gars, ouais, sont ouais. les députés qui l'aident. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'ils ont introduit. On dit que c'est un suspect, il faut le prendre. Voilà. Okay. Maintenant, un suspect, mm-hmm. c'est normal, ouais. puisque il faut l'appeler ouais. pour demander pourquoi la présence ouais. de ce document. Effectivement. C'est ça que la digue n'a pas fait. Oh là là. Mm-hmm. Et l'information est révélée par la presse. Ouais. Nous, à l'époque, ouais. le climat politique était tendu. Ouais. Parce qu'il y a le cas Ousmane Sonko. Effectivement. Ouais. Moi, je suis un proche du président Macky Sall. Ouais. Et tout le monde considère que tous les proches du président Macky Sall, ouais, ouais. c'est des gens qui sont Kling. Qui sont protégés le président, mais sont coudes dedans. Coudes dedans. Dossier, ouais. Donc là, mm-hmm. il fallait amener, il fallait que le pouvoir, le président soit prudent, okay. pour que politiquement mm-hmm. Benno Bokyakar ne reçoive pas le coup. Effectivement. Là, tout est ouvert. Nous sommes en 2022, mm-hmm. période électorale. Ouais. Donc, et vous tout... avez été envoyé en prison. Bon, j'arrive de toute façon. 2022, c'est une élection. Mm-hmm. Il y a des gens qui veulent ma place. Ouais. Ils vont profiter ouais. pour amplifier. Ouais. Et l'autre élément qui est là, il y a le cas Achraf Tall Sall, ouais. qui est ministre des Affaires étrangères. Ouais. Actuellement. Ouais. Et beaucoup de gens de notre parti mm-hmm. n'étaient pas contents qu'Achraf Tall Sall. Tassal soit ministre des Affaires étrangères parce qu'il était opposant à l'époque. Okay. Comme la presse a relayé ouais. qu'il s'agit de trafic de passeports diplomatiques, ouais. beaucoup de nos camarades croient qu'on peut maintenant avoir la tête d'Aïssa Tassal, que c'est vrai. D'accord. Alors que pour trafiquer un passeport diplomatique au Sénégal, l'actuel passeport diplomatique, ouais. c'est impossible. D'accord. Si le président de la République d'accord. lui-même ne vous en autorise pas. D'accord. Ce n'est pas possible. Okay. Et celui qui connaît comment un député mm-hmm. et ses enfants et sa famille, autant pour moi, donc de manière générale, mm-hmm. parviennent à obtenir un passeport diplomatique, mm-hmm. il n'est même pas pensable de considérer qu'un député peut trafiquer un passeport diplomatique. D'accord. Si le passeport est vrai. Comment vous avez été blanchi? Vous comprenez? Non, je ne pas terminer, oui, allez-y. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, les gens croyaient que là, ce n'est pas moi qui ai visé. Ouais. Pour, ouais. Il fallait en parler pour obtenir la tête d'Aïssa Tall Sall. Okay, d'accord. L'autre élément, pour les passeports diplomatiques, mm-hmm. il fallait que l'opposition prenne le ballon au rebond pour mettre en mal l'État du Sénégal et l'Union européenne. D'accord. Pourquoi mm-hmm. Vous vous souvenez, lorsque Sidi Kaba était ministre des Affaires étrangères, ouais. les passeports diplomatiques pullulaient dans ce pays. Okay. À tel point que l'Union européenne tape du point sur la table. Et l'État du Sénégal a ordonné au retrait de tous les passeports diplomatiques des personnes non ayant droit. Effectivement. Et la mission a été accordée à la police, ouais. à la gendarmerie et aux ambassades. Effectivement. Ce qui est fait. Ouais. Et le président de la République, lorsque Aïssa Tall Sall est arrivé, une nouvelle mission a été donnée au ministre des Affaires étrangères de penser à un autre passeport diplomatique plus puissant okay. et non ça de trafiquable. Effectivement. Vous comprenez ouais. Et l'Union européenne, et le passeport devient très important. Effectivement. Vous comparez, vous verrez que l'actuel passeport diplomatique et l'ancien passeport diplomatique mm-hmm. de couleur bleue là, ouais, ouais. c'est deux passeports différents. D'accord. Tant sur le plan de la qualité ouais. et sur le plan de la puissance. Okay. Vous comprenez ouais. Maintenant, si ce passeport, ce nouveau passeport là est trafiqué, alors... Ça va être un problème. D'accord. Donc l'Union européenne ne va pas être content du Sénégal. Du Sénégal. Donc il fallait pour l'opposition d'attaquer le président Macky Sall ouais. par rapport à ça. Okay. C'est ça qui a fait que la question a été amplifiée. Ouais. Mais en réalité, ouais. il n'y avait même pas de trafic de passeports diplomatiques. Ah bon? Il n'y en avait même pas. Okay. Vous comprenez? D'accord. Maintenant, comme la presse a relayé, ouais. il y a la clameur publique. Ouais. Donc l'action publique doit continuer. Effectivement. Ouais. Bon, lorsqu'on a... On nous a enlevé l'immunité parlementaire. Ouais. Il fallait au juge d'instruction de pouvoir identifier mm-hmm. ceux qui sont impliqués et ceux qui ne sont pas impliqués. Effectivement.
le juge qui avait le dossier, le juge Tchoune qui avait le dossier, ouais, en première instance, en premier lieu, mm-hmm, comment dire que je ne suis pas lié à cette affaire, ouais. Vous vous souvenez, lorsque on décernait les mandats de dépôt, ouais, moi je n'étais même pas convoqué. Effectivement. C'est un des collègues qui était mis sous mandat, qui était convoqué, ouais, qui était mis sous mandat de dépôt. Ouais. Mais malheureusement, l'affaire a rebondi parce que la presse a continué à en parler. Ouais. En parler. Ouais. Moi, je suis allé aux élections territoriales. Ouais. Je lis sur la presse, mm-hmm, que Justine a été remplacé, ouais, et remplacé par le juge sec, ouais, hein, qui est au sixième cabinet, qu'on a amené au deuxième cabinet. Ouais. Uniquement pour moi. J'ai dit, bon, là, moi-même, il faut que j'aille. Ouais. Comme l'État du Sénégal a besoin de moi, mm-hmm, il faut honorer l'État du Sénégal. Oui. Il faut l'élever. Oui. Comme l'État du Sénégal m'a élevé, oui, au moment où j'en avais besoin. Oui. Puisque grâce à l'État du Sénégal, j'ai été à l'école. Oui. Je suis devenu fonction d'État. Oui. Je suis devenu député, oui, président du conseil départemental. Oui. Si aujourd'hui l'État du Sénégal a besoin de moi, mm-hmm, je dois le faire avec fierté. Oui. Pour vous son êtes, honneur. Vous vous êtes rendu alors? Je suis rendu. J'ai fait face au juge. Le juge a considéré que, bon, je dois bénéficier de mon mandat de dépôt avec plaisir, ouais, et avec joie, okay, que je le fais. Pourquoi? Avec joie? Non. Quand l'État a besoin de toi, quel que soit... Mais personnellement, individuellement, votre image a été entassée. Ce n'est pas l'image du citoyen qui est importante. C'est l'image du pays qui est importante. D'accord. Si mon mandat de dépôt permet de montrer au monde entier, ouais, que le passeport diplomatique n'a pas été trafiqué. D'accord. Ça, je suis prêt à l'endosser. Effectivement. Parce que moi, je suis pour le Sénégal, ouais, et je suis disposé à mourir pour le Sénégal. La République. Oui. Mmh. Comme je ne suis pas mort, je connais la Bible. C'est l'image seulement qui est éternelle. Effectivement. Mais l'image-là peut être lavée. Bien sûr. Vous comprenez, ouais. Donc, un homme politique doit être prêt, mm-hmm, à ce que son image soit ternie, okay, pour le pays. Vous voyez aujourd'hui l'image de Macky Sall. Ouais. Pour tout ce qui est dit sur Macky Sall, ouais, l'image n'est pas réalisante. Ouais. Pour quelqu'un, on considère c'est un dictateur, etc. Ouais. Et pourtant, aucune base réelle ne montre que c'est un dictateur. Okay. Quelqu'un qui sert de manière loyale. Okay. Et fidèle. Vous avez fait combien de jours en prison? Non, j'ai fait 5 mois. 5 mois. Vous savez, 5 mois... Comment parce... vous l'avez vécu? Vous n'avez pas senti, Sirio, vous n'avez pas senti le soutien qu'il fallait? Non, j'ai senti le soutien des Sénégalais. Ok. À travers le président de la République, okay, que je remercie très sincèrement. Ouais. Parce que j'ai la chance d'être parmi les citoyens qui n'ont payé, qui n'ont rien dépensé, ouais, pour sa vie. Ouais. Donc... carcéralien. Okay. Là, vraiment, mon président de coalition m'a accompagné. C'est ça qu'il pouvait faire. Ouais. M'accompagner en mettant à ma disposition un avocat, okay, très compétent. Okay. Donc, à la personne de Antoine John, qui est devenu aujourd'hui ministre. Ah, Antoine était votre avocat. Un jeune chevronné, okay, qui il maîtrise était son nom. Avocat, il était juste. Et... Non, il était avocat. Antoine, oui, quel Antoine? Antoine Beng. Ah d'accord, voilà. Antoine Beng, l'actuel ministre, okay, de transport aérien. Oui. Un jeune qui maîtrise son métier. Mm-hmm. Effectivement, c'est un homme de droit. Ouais. Le juge sait que j'ai affaire à un innocent. Ok. je vous dis, le jour où on devrait faire la confrontation. Ouais. Où je suis resté sans que personne ne pose une question par rapport. Tous les gens qui s'étaient plaints étaient ici, ouais, les gens contre qui on s'est plaints sont ici. Ouais. Donc, l'erreur que la DIC a commis, en me posant la question, pourquoi la présence de cette photocopie? Effectivement, ouais. Je leur ai expliqué. Effectivement. Que j'ai un ami. On vous a jamais donné l'occasion. Ouais. Que j'ai un ami, mm-hmm, qui a effectivement... c'est-à-dire inviter les soins de Condé, ouais, pour le voyage de sa sœur. Okay. Et que j'ai été sollicité, mm-hmm,
pour parrainer le voyage de cette sœur-là, qui est partie en France depuis 2017. D'accord. Et que ces documents qu'on a trouvés ne peuvent en aucun cas être utilisés pour le voyage de quelqu'une autre personne que je ne connais pas. D'accord. Et que celui qui procède à ces voyages-là ne sont pas vus depuis 2018. Ok. Et je ne sais pas en quoi il est dans ce pays. Pourquoi vous n'avez pas récupéré vos documents? Non, je ne pouvais pas. Non, tu ne peux pas savoir que quelqu'un a garé tes pièces. Enfin, je donne l'exemple. Aujourd'hui, tu achètes un terrain, par exemple, avec quelqu'un. Oui. Il photocopie sa carte nationale d'identification. Vous photocopiez votre carte nationale d'identification. Ouais. Vous lui remettez. Effectivement. Pour opération. Ouais. Elle va faire quelque chose. Et la justice le cherche. Ouais. On fait une perquisition, on trouve tes documents-là. Effectivement. Alors que vous ne savez pas que ces documents sont avec nous. D'accord, oui. Ça dit, le gars n'a pas, lorsqu'il a fini d'utiliser mes documents pour le voyage de la petite sœur de Malamine Gomis, l'ex-président du conseil départemental de Sédhiou, feu Malamine Gomis, qui est un ami que j'ai aidé, le gars a gardé mes documents. C'était des photocopies de passeport. C'était des photocopies non légalisées, qui juridiquement ne pèsent rien, qui sont périmées. Qui sont périmées. Ok, oui. Voilà. Donc c'est ça. Malheureusement, vous n'avez pas eu une bonne communication autour de vous. Vous n'avez pas une équipe de communication. Non, ici, il faut même pas. Moi, je préfère ne pas communiquer. Parce que vous communiquez, vous enflammez encore. Ok, ouais. La seule façon de communiquer, c'est d'aller répondre au juge. Effectivement. C'est lui seul. La presse ne lave pas quelqu'un. C'est le juge qui lave quelqu'un. C'est pourquoi je suis inutile de tenir face à la presse et d'expliquer. Parce que vous répondez, il y a un rebondissement, il y a d'autres questions. Ouais. Et puis la presse ne peut pas dire si vous êtes fautif ou vous n'êtes pas fautif. N'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi moi j'ai jugé. Quel regret avez-vous de cette affaire? Non, je n'ai pas de regret. Ok. Parce qu'on n'a pas le tout pour arriver. Ok. Mais aujourd'hui,